L'école de la santé a commencé ses classes sous le drapeau, au quartier Simbok à Yaoundé. Pour éduquer et sensibiliser, la fondation Denise et Lenora s'y est donnée à cœur joie. Cette campagne est organisée dans le but exclusif d'évoluer dans un environnement sain en cette période de pandémie. La fondation a tenu à venir au niveau des chefs communautaires, principalement à Simbok, pour pouvoir former la communauté à comment se protéger, à comment fabriquer un certain nombre de choses pour leur propre bien-être. Ces apprenants sont désormais les ambassadeurs de la lutte contre le Covid-19. Les gestes barrières, le port du masque et la fabrication du gel hydroalcoolique sont entre autres des habitudes qu'ils devront inculquer à leur entourage. Nous sommes de tout cœur pour collaborer et mener à bien cette lourde tâche. La Fondation Forésia a pensé à nous, a pensé aux vieilles mamans qui n'ont pas assez de moyens pour payer le gel et de gel pour laver les mains. Et je pense qu'ils n'auront plus à s'inquiéter. La Fondation Denise et Lenora compte multiplier ses activités dans d'autres chefferies traditionnelles de la ville de Yaoundé.